Et là, c'est reparti. Et cette fois-ci, du coup, même avec toute cette invasion, eh ben, on se retrouve avec un duel fratricide toulousain. Welcome to Jeanne d'Arc, les boys. Voilà, le classique, évidemment, le duel toulousain. Ah ouais. Très connu, quand même, plus le temps. Très connu, mais surtout que là, on est vraiment. On est plutôt sur une phase où c'est assez qui est dominant. Excusez-moi, je parle de domination. Qu'est-ce qu'il me propose un Big Spike? Mais merci pour ce cast. Et là, pour l'instant, il est en train de dérouler. Ça fait plaisir. On tente ce der. On chope l'antir avec le nerf et ça continue. Il est en train de bloquer le singe. Il est littéralement dans un dos. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. On a failli choper un peu plus loin, mais Oxys qui arrive à souffler un peu. Mais bon, on a quand même un travail conséquent, mon cher Blabla. Ah oui, c'est. C'est quand même assez compliqué quand même. En fait, sur ce match d'avant, du coup, pour la Winter Final, on a vu quand même beaucoup de kills assez tôt au EB côté Kid. C'est dommage, on avait vraiment bien reset son handle, on a voulu vraiment abuser au maximum de ses outils, mais derrière on est carré dans l'axe. Et ce n'est encore... pas pour rien que c'est le joueur qui est site 2-2 pour la Solary LAN, donc vraiment le joueur pas ouf. Voilà. Mais voilà, ça joue. Voilà. Pas ouf, mais potentiel. Un potentiel de fou. Potentiel de fou. Et là, il est en train de dérouler. Je pense qu'il est en train de faire repasser un message pour ceux qui sont là. S'il y a des Théo, bien sûr. Mais en fait, il est de Montpellier. Mais trahison, disgrâce! Mais c'est pour ça que c'est 58 du coup, c'est parce qu'il tech pas! Mais il tech pas en fait, c'était pour ça en fait! C'était pour ça en fait! En fait, ils ont regardé le. Tu vois, où il faisait ses tournois et ils pensaient qu'il était Montpellierin. Du coup, ils se sont dit, bon, on va le baisser en seeding parce qu'il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de stages. Ils ont vu une table de voisins, ils ont fait, oh, mais c'était tech pas! Ah, par contre, ouais, là, on se précipite! Hein, tu vois, on fait ce dambi alors qu'on est littéralement dans la burst option de son adversaire! Mais monsieur! Mais les confirmes sont là! Mais ça, on l'a vu à chaque fois, genre sur PS2, tu le vois à chaque fois avec les deux. Dès qu'il trouve un grab ou un EPR sur ses plateformes, c'est fini pour ta stock. Et pour les deux, c'est quand même terrible. Honnêtement, si je dois résumer Mi Brawler, c'est vraiment le mélange incestueux de Mario et de Fox. Oui, ça, je suis d'accord. Tu vois, avec un gameplay au sol comme Fox, mais extrêmement lent. Oui. Mais du coup, on a des priorités au close range, un peu comme Mario, qui sont extrêmement bonnes. Et surtout, on a un jeu de la terre de zinzolin. Du coup, ça va être super dur pour notre cher Mideka, un de ses pires match-up finalement. Bah, si l'adversaire a un kill confirme, un combo game de génie proposé, je vais retirer ça, hein, bien sûr, parce que sinon Kid, il va prendre la testos, bien sûr. Mais en tout cas, en termes de combo game, si le mec est carré dans l'axe, je vous assure que Deka n'a pas de grands outils pour s'en sortir. Il va devoir tout simplement concéder du terrain et le forcer à l'erreur pour pouvoir peut-être s'exprimer dans ce match. Bon, j'ai pris deux clips sur la game précédente, mais en vrai, est-ce que vous voulez voir des kilos EB? Est-ce que je les mets en vrai? Mais bien sûr. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Oui, mais parce que ça fait pchit paf. Mais pour rappeler aux gens, parce que les gens ne savent pas, genre, on s'appelle du Kid Winder qui avait eu à l'Occitane à Montpellier. Je me rappelle, il s'est mangé tous les EP, il est mort à chaque fois. Mais tu sais, Blabla, petite anecdote, parce que moi je fais des cours pour des joueurs là sur Smash Bros, voilà, ça fait plaisir. Et du coup j'en fais du coup pour des rookies. Et du coup j'étais en train de faire des fiches pour dire ouais tel ou tel personnage bah c'est un rejet de son brawler, etc. Et du coup j'ai pris l'exemple du match de Kid contre Winder, excusez-moi. Et du coup il y a eu le. J'ai regardé le match, et j'étais en mode mais putain mais il a turbo saucé avec Big Side B en SD, ça fait plaisir. C'était incroyable. Ça me fait les gens dorment, on connaît pas encore ces brawlers. Oh le trade! Oh le vol! Il a été enterré, mais il a été tout simplement, il lui a mis le point éclair, le Sharingan. Ça fait extrêmement mal. Il était pas sur le terrain, du coup pas d'armor malheureusement pour DK. Ah ouais, forcément. Et ça va prendre assez cher pour le coup. Il va prendre assez cher, non, mais je pense qu'il y a de l'armor. Normalement, il y a de l'armor, hein, tu vois, sur Side B, même dans les airs. C'est surtout que, en fait, l'armor a été complètement explosé par le F-Smash, parce que le F-Smash de Mi Brawler, c'est une dinguerie extrêmement lent, mais derrière, il peut faire mouche. Donc c'est juste un coup beaucoup plus fort. Exactement. Par contre, bien sûr, down throw, IDG backer pour choper, c'est confirmé. Mais bon, ça fait peu mal par rapport à son combo game habituel. On le sait très bien, on s'écarte et on va essayer d'éviter un maximum de. Voilà, parce que là, vu qu'on a pris un terrain beaucoup plus grand, on peut pouvoir peut-être mieux s'exprimer du côté d'Oxys. Ouais, bah après, le truc, c'est que ça reste un terrain où tu sais que Kid a l'avantage niveau kill power. Et c'est fini encore une fois. Évidemment, on met cette pressure sur cette plateforme. Et là, on a cette tendance à shield contre Mi Brawler. Tu n'as pas le droit de shield. Tu n'as pas le droit de shield, mais en même temps, si tu shield pas, tu prends un pair landing, into encore une fois B. Ouais, mais t'as d'autres outils. Tu peux tout simplement soit essayer de choper le trade, soit tout simplement roll in pour sortir et peut-être cross-up son adversaire. Mais concrètement, le shield, c'est à éviter parce que forcément, si vous shieldez, vous. Oh là là, mais par contre, il a toutes les rides, Kid. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Oh le football! Oh l'arnaque! Oh l'arnaque! Là, tu vois, mon rêve, c'est qu'il fasse une Montpellier-Rennes et après il tue. Oh! 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 Oh!
Oui. Oh, et c'est pas terminé, on va choper peut-être le nerf. Oui. Donc Smash et là, il est en train de remonter peut-être la remontada du siècle pour le joueur de Giscard. On attend notre ami pour aller choper un peu plus loin, mais on n'est pas né de la dernière pluie pour le joueur de chez Sylvain. Oh là là, encore une fois, on cache le jump. Oh, par contre, attention, parce que c'est ton pire cauchemar. Oh. Un tout simplement, un macaque hurlant qui est tout simplement ici pour te choper. Oh, non. Il se fout de sa gueule. Il a perdu notre ami. Il s'est foutu de sa gueule. Le dunt est total. Mais comment tu peux être si malveillant est... Mais malveillance max. Moi, je veux un mème de malveillance max, mais avec la grosse tête de kid. Mais c'est... Mais c'est trop grave. C'est ce qu'il a fait avec Folk. Et ils sont amis. Moi, je le déteste. Moi, je... Mais ton ami te fait ça, qu'est-ce que tu... Voilà. Alors... Et du coup, le replay, c'est le Big Footstool. Et ça me fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est mérité. Mais en tout cas, ouais, là, on est quand même à 2-0. Kid qui est... Voilà, qui débute dans les chapeaux de roue, il est en train de faire passer un message. Est-ce que Oxys va pouvoir peut-être se réveiller? Il va peut-être trouver des solutions face à cette boule d'énergie qu'est Mi-Brawler. Ah, ça va être compliqué, mais Oxys, c'est peut-être le faire pour le coup. C'est pour vous, c'est un joueur dont le temps n'est plus à démontrer. Oh là, bien joué. Ah, bien sûr, Oxys, hein, ce n'est pas n'importe qui, mais un des meilleurs DK européens, bien sûr, ça se joue avec Syrah. Voilà. Et ça fait plaisir. Et là encore. Oh là là, et c'est encore une fois. Oh là là, le dance repi. Hein. Le dance repi. Hein. Et les gens ont osé dire que le personnage n'existait pas. Voilà. Je vous assure que les Japonais, ils ont vu le futur. Ce perso est extrêmement bon. Hein. Ce personnage existe très très fort dans la méta. Exactement. Toujours aussi fort. Oh là là, mais par contre, oh là les là. Coups... Mais que quelqu'un l'arrête, ses mains sont en feu, c'est terrible. Oh là là, sont... oh là là. Mais c'est du feu de Dieu ce qu'il est en train de nous proposer, oh le genre de chez Steven Esports. Oh, c'est terrible, et là on va choper Snipey, c'est loin d'être terminé. Oh là là, mais ça tombe. Mais que quelqu'un l'arrête. Ah non, oh là là, j'ai peur. Attention, par contre, avec ce EPR, on va chercher très très loin l'excellente couverture de Center Edge proposée par Kid, qui est là, qui est vraiment sur son qui-vive. Il est en train de faire un boulot conséquent. Ok, le EPR, Backer, et ça continue. Ça paraît, ça va être trop dur pour... Je suis désolé, c'est trop dur. Ça va être super dur, il est beaucoup trop chaud. Oh là là! Cet homme est site pour 2-2 à la Solar Ilan! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oh là là! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Le boulot était tellement conséquent, je n'ai pas compris cette game! C'était un TikTok, mais. Non mais t'imagines? Tu vois ton top 3? Oui! Tu vois Foxa qui fait un boulot! Il est super chaud! Il tombe contre Oxys! Oxys le 3-0! Oui! Oxys, du coup, tu te dis, mais Oxys est giga chaud! Il est chaud comme le Brésou! Et là, il se retrouve face à Kid. Ah là là, mais... Mais je te jure, j'avais l'impression... Mais là, c'était début de Quick Play GSP 7 millions à 7 millions. Voilà. Il lui a fait un boulot, Kid. Non, mais c'est du smurf. En vrai, j'aime bien dire des fois que Oxys, c'est un peu le protagoniste de Toulouse. Avec son DK. Ouais. Mais il faut connaître que Kid, c'est le mangaka, celui qui a écrit l'histoire. Mais Kid...